Le centre de commandement de vidéosurveillance que nous inaugurons ce jour s'inscrit dans le cadre du projet dénommé « Ville intelligente du Cameroun » décidé par le chef de l'État en 2014. Ce projet a pour objectif principal de renforcer la couverture sécuritaire de notre pays au moyen d'outils à la pointe de la technologie. Après la phase pilote lancée le 7 août 2014 à Yaoundé, un contrat a été signé avec l'entreprise chinoise Huawei pour la mise en œuvre d'un système de vidéosurveillance sur l'ensemble du territoire national. Je saisis cette occasion pour remercier cette entreprise pour la qualité des travaux réalisés et magnifier l'excellente coopération entre le Cameroun et la Chine, qui est aujourd'hui matérialisée par la construction de cette belle infrastructure nationale de commandement de vidéosurveillance de Yaoundé est opérationnelle depuis plusieurs années. Des centres régionaux de vidéosurveillance sont en cours de construction dans les autres chefs-lieux de région afin d'assurer un maillage de l'ensemble du pays par ce dispositif. Au total, il est prévu l'installation de 4000 caméras dans les capitales régionales ainsi que dans certaines localités frontalières telles que Kousséri, Garoua Boulaye, Ouaza, Kiossi et autres. Le centre de commandement de la ville de Douala vise donc à optimiser l'utilisation des équipements de contrôle et de surveillance de la capitale économique. Il sert également de redondance au centre national de commandement de vidéosurveillance de Yaoundé. Désormais, la ville de Douala va disposer d'un important outil qui permettra de renforcer la lutte contre la criminalité.